Bonjour, je suis Joëlle Meyer. Je vous propose de faire des impressions de citrouilles, de fantômes et d'araignées avec du styromousse qu'on appelle aussi mousse de polystyrène. Récupérez un plateau de styromousse, de préférence sans inscription gravée au moins d'un côté. Enlevez les bords pour ne garder qu'une section plate du plateau de mousse de polystyrène. Tracez un dessin de citrouille par exemple. Commencez par tracer légèrement le contour et les détails de la citrouille. Quand vous êtes satisfait de votre dessin, repassez sur toutes les lignes de votre dessin en enfonçant bien votre crayon pour créer des rainures dans le styromousse. Il est préférable d'avoir un crayon à mine dont la pointe est arrondie pour créer des rainures profondes. Tracez et enfoncez le styromousse sur toutes les zones que vous ne voulez pas imprimer comme les yeux, le nez et la bouche. Ensuite, utilisez un rouleau et étendez la peinture épaisse de façon uniforme partout sur le styromousse. Évitez de mettre trop de peinture car elle risque de s'accumuler dans les creux de styromousse et dans ce cas, votre dessin ne sera pas aussi visible. Retournez la plaque de styromousse sur une feuille de papier et pressez partout sur la plaque. Ensuite, enlevez la plaque de styromousse et admirez le résultat. Vous pouvez imprimer la citrouille sur du papier blanc ou bien du papier noir. Maintenant, je vous propose de faire un tampon en forme de fantôme. Procédez comme dans le premier exemple. Découpez le bord du plateau de styromousse et dessinez le contour du fantôme. Dessinez également les yeux et la bouche. Prenez des petits ciseaux et découpez le contour du fantôme. Vous obtenez un tampon. Pour que le tampon soit plus facile à prendre, prenez une bandelette de papier et pliez-la en deux. Ensuite, pliez chaque côté de la bande de papier en deux. Collez les pattes de papier sur l'endos de la forme de fantôme avec un pistolet à colle. La languette permettra de tenir le tampon plus facilement. Mettez un peu de peinture blanche sur la forme de fantôme et étendez la peinture de façon uniforme sur le tampon. Ensuite, imprimez le fantôme sur du papier de couleur foncée. L'art permet d'intégrer différentes matières. Pourquoi ne pas faire une frise décorative avec des fantômes, des citrouilles et des araignées? Vous pouvez en même temps enseigner le principe d'une suite. Dans ce cas-ci, je vais créer une suite simple où j'imprime d'abord un fantôme, suivi d'une citrouille, suivi d'une araignée. Qu'est-ce qui va venir après l'araignée? Un fantôme, évidemment. Parce que le styromousse est assez cassant, j'ai décidé de ne faire que le corps de l'araignée et de rajouter les pattes avec un marqueur argenté quand la peinture est sèche. J'ai aussi ajouté le fil qui la suspend. Faites des suites de façon amusante et partagez vos frises sur le site d'Animassiette. Pour pouvoir créer d'autres impressions ultérieurement, nettoyez les formes de styromousse et le rouleau. Pour imprimer le document avec les instructions illustrées, cliquez sur le lien sous la vidéo et visitez le site d'Animassiette où vous trouverez des centaines de projets amusants et créatifs.